C'est une très belle question. Et nous sommes capables de dire, Jean, nous sommes capables d'appeler tout avec toutes photos, toutes vidéos responsables à la TVN matin. Ils ont demandé nous pour Timoun Yogé Kachne et l'État, tout, le ministère de l'Éducation nationale. Nous faisons tout le moyen possible pour nous bailler Timoun Yogé Kachne. Et puis, nous mettons de l'eau pour nous laver, malgré nos espoirs pour nous joindre des récipients qui ont gagné plus de possibilités pour nous bailler Timoun Yogé. Et une possibilité normale pour laver mais au plus bien. Mais qu'on y a là pendant nous venons réouvrir là, nous venons toute activité débloquée. Nous cherchons à gérer les parce que on connaît principe hygiène, faut que respecter et puis distanciation sociale là tout faut le respecter. Tout ça, ça veut dire que staff là avec tout personnel, yo mettez ensemble pour gérer pendant que l'école a réouvert, pour tout le monde mettez masque là. Nous a remarqué ça, tout le monde a porté masque. Et puis, il y a quelques sous-dollars qui nous mettent pour que nous lavions. À chaque fois, nous finissons, nous supposons laver les mains, sensibiliser pour ça. Et puis, nous demandons tout pour pas trop pour respecter la distance dans la classe, les chita, les professeurs. Et nous faisons respirer après chaque 30 minutes, une façon pour aider avec les cachinés, que nous ne sommes pas habitués, et si tout le fait chaud. Mais ça n'a pas empêché de nous toujours faire au côté et laver les mains souvent. Il y a une façon pour nous capables d'éviter que les gens prennent la maladie. De même pour les professeurs. Et puis, on toujours connaît les apprentis, on suppose que le max utilisé comme les parler réutilisable. C'est chaque arrivé, on suppose laver, mettre dans le soleil pour sécher. Et puis, pour réutiliser le demain, si je viens encore, on va réutiliser à mettre pour s'en laver. Because right now with COVID-19, the food can't come to the island, but the agriculture program have been teaching people how to grow their own food. That was one of my jobs, to make sure that they have their own small garden. Sometimes we start the nursery at St. Paul's School, and then I share with them the small like tomatoes or pepper or whatever. They go home, they plant it. I was the first person who started the program. The program is still growing and the program is still improving into the community. And that makes me so happy to know and to see the program keep growing, it keep improving. And now Raphael, the agronom Raphael, is running the program. He's very knowledgeable. Ce n'est pas ça. Le programme agriculture, comment le fait? Il y a une pratique faite dans la classe, c'est théorie. Hein? Et la pratique en fait là chaque samedi. Donc ça nous montre que les élèves dans la classe théorie. Hein? Chaque samedi, nous venons faire pratique là, dans l'espace là. Et puis, chaque fin d'année, chaque mois de juin, premier vendredi du mois de juin, nous faisons foire agricole. C'est une belle activité, côté élèves exposés, tout ça au fait pendant l'année. C'est très intéressant, chaque année nous faisons. Malheureusement, année ça, en mois de juin, ça ne bat pas faire à cause du coronavirus qui a frappé nous en pile. If the program wasn't around Petit Trou at St. Paul, right now a lot of people would be more suffering because food can't come to the island. Non simplement dans les États-Unis, on a prié bon Dieu pour maladie ça disparaît tout parce que si toutefois il y a maladie et mes bagages ne peuvent pas bien marcher. Nous avons aidé la prière côté nous hier. Et comme ça, tout nous connaît, tout nous même dans le bord de là, nous avons la prière pour Haïti, nous avons la prière pour Saint-Paul. Et comme ça, ensemble, nous avons mis main pour une plus belle Saint-Paul, pour une plus belle école, pour une plus belle avenir dans la communauté Petit Trou de Néplan. Félicité en dernier, pour nous dire dernier mot, nous avons félicité tout le monde qui travaille dans Colorado pour aider Haïti, spécialement la communauté Petit Trou, hein, l'école Saint-Paul. Et nous reconnaissons en pile, depuis en pile temps, en pile année, depuis nous avons sacrifié nous. Ce n'est pas parce que nous aimons bien ça, nous avons trop pour nous, mais c'est parce que nous avons sens l'humour, nous avons sens de partage, nous aimons aider. Et c'est dans le même sens ça, tout. Nous avons dit nous, Kembela, Palagé, continuez à aider et qu'on s'attend au bon Dieu lui-même va aider nous.